c'est parti, là? Mais vite, Vincent, tire pendant qu'on partit à la musique. C'est le côté haut, c'est le côté B. Côté B! C'était le côté B. Pourrais-tu te calmer un peu? Monsieur Julien qui fait jamais d'erreur, qui fait jamais sur le bord de la toilette. Deux balles au côté prise à Brad Wilkerson. Côté B, j'ai dit! En direct de Saint-Hyacinthe, capitale agroalimentaire et siège social des Frères Amar, c'est l'heure du grand gala génial des Frères Amar! Accueillez vos animateurs, Julien Amar, Thierry Amar, Vincent Paquette ainsi que Renaud Amar! Yeah! Salut tout le monde sur le Facebook Live! Je suis content que vous soyez là. Ce soir, on célèbre la crème de la crème des Frères Amar. Alors, bon gala! Parce qu'on va se le dire en disant, on en a fait des films. Ouais, mais je pense qu'avant de commencer, on pourrait présenter nos musiciens pour la soirée. C'est vrai ça, Vincent. À la guitare, on a Michel! Maxime, à la batterie. Et puis, Alfred au maracas. Puis on a Jonathan à l'harmonica. Il faudrait certainement pas oublier Simon au mime. Oui. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec notre première catégorie, meilleur sous-titre. Avant d'aller au meilleur sous-titre, voir les nominés, on va aller voir Alexandrine Bétunia, la pointe arc-en-ciel, doctorante en sous-titre à l'Université du Québec à Saint-Hyacinthe. On va nous parler de sous-titre. Un bon sous-titre, c'est quelque chose qu'on lit pendant une vidéo. Un excellent sous-titre, c'est quelque chose qui nous fait vibrer et qui s'imprègne dans notre cortex jubilaire arrière droit sans jamais détourner notre attention du contenu principal et qui nous transmet l'information voulue. En passant, je suis toujours célibataire. Comment on appelle ça? Et le gagnant pour la catégorie meilleur sous-titre est... Miss Larabia! Merci, merci. Je m'attendais pas à ça. Maintenant, pour le prochain prix, celui du film Meilleur film en langue étrangère, ça tombait sous le sens d'avoir quelqu'un qui vient d'un pays étranger, de la langue étrangère, et donc on accueille pour présenter le prix Hugo Lamarche. Bonjour. Bonjour. Mais c'est parce que, je parle français. C'est si exotique. J'imagine que je dois présenter les films en meilleure langue étrangère. Oh jeez. Oh, I think she's got a crush on you. Et le gagnant est Gary Etzorat. Merci Alfred. Alfred au maracas. Maintenant, on est rendu à la catégorie, ce qui, sans cette catégorie, en fait, un film ne serait qu'un long plan-séquence. Allons tout de suite aux nominés pour meilleur montage. Il
Dieu, j'ai peine! Et le gagnant pour la catégorie meilleur montage est... Mus l'Arabia! Un autre? Merci. On nous demande parfois, mais comment les frères Havard font-ils pour faire tout cet argent, pour mettre sur pied une page Facebook comme celle-ci? C'est vrai ça, hein, ça coûte de l'argent, c'est pas gratis. Sais-tu, moi, en autant que je reçois mes royautés à chaque mois, là, moi, je m'occupe pas de ça. Là. Ben c'est, vous savez pas, c'est notre musée des frères Havard qui nous permet d'avoir une rentrée d'argent quotidienne. Un musée? Reportage. Fait que, bienvenue au musée, musée des Frères Havard. Fais le tour assez rapidement. Ça, c'est la petite caisse. Quand vous venez, arrangez-vous pour pas apporter de grosses coupures comme des 20$ parce que j'ai rarement de change. Aussi, faites votre pipi avant de venir parce que les gens d'habitude se plaignent que la toilette a déborde. Puis, qu'est-ce que je peux dire? Ah ouais, c'est important de fermer les lumières. Le soir, parce que il y a Michel de l'autre bord de la rue qui aime pas bien ça quand ça reste ouvert toute la nuit. Éteins tes maudites lumières! Et dans la catégorie du meilleur costume d'un personnage, les nominés sont... Feller! Ah ah! Jeff Samson! Les chars sont arrivés, nos petits... Oh! C'est l'homme animal! Malheureux! Oups. L'homme gratte. L'homme gratte. Merci mon premier Yeti. Non, mais il fallait que ça tombe sur ce rôle-là. L'homme crotte, j'en suis fier. Merci. Merci à Vincent. Là, ouais. C'est le prompteur est là. Ouais. Ça tourne. Ça tourne? OK. Alors, on enchaîne immédiatement avec le prochain prix qui est meilleur effet spéciaux. Les nominés sont... Greg! Regarde là. Ok. Alors, le gagnant du meilleur effet spécial est... Le crachat dans le squeegee par Marie-Pierre Havard. Merci. Non, pas de discours. OK! On enchaîne. Alors, c'est maintenant le temps de la catégorie du meilleur scénario. Les nominés sont... Mon Dieu! Papa, je t'en prie! Je t'avais essayé de faire envie, tu répondais pas, mais je t'en avais pas! Tiens-moi dans le bras, Tom. On peut gagner cette game, non pas gagner. Tu sais, pensez à tourbler. Alors, le gagnant est... L'ignore du froid par Renaud Havard. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix-là. C'est sans doute l'achèvement d'une dépression qui heureusement, s'est rétablie sur la bonne pente. Mais merci. C'est... Merci, Alfred. Alfred au maracas. Avant d'aller plus loin dans le gala, je pense que c'est important de se rappeler c'est quoi les origines des Frères Havard. Les Frères Havard, ça a commencé en faisant des vidéoclips du groupe de musique Les Pets Controllers, qui était composé de Julien et Thierry à l'époque. C'est encore ça aujourd'hui.
Mais je pense que, pour se remettre dans ce bain-là, ce serait le fun, les gars. Julien et Thierry, si vous nous jouiez un petit quelque chose, comme dans le temps. Ben, c'est que ça nous gêne. Bon, ça vous tente pas. T'insiste, on va chanter une chanson. Il faut chanter une chanson. Tu es un imperméable, imperméable, lorsque le ciel est inconsolable, inconsolable. Tu es un imperméable, imperméable, from dim to dam dui, oui, du da. Merci Alfred. Alfred au maracas. Bon, c'est au tour de qui de présenter le prix, là? Moi, je peux te présenter, moi? Non. Ok, ben, je pense que c'est à mon tour. Dans la prochaine catégorie, je vous avertis, ça va probablement vous faire monter les larmes aux yeux. C'est la catégorie meilleur moment dramatique. Les nominés sont... Après avoir reçu une balle dans la cuisse. Non! Thierry doit nous aider en retardant les Russes! Blake, tu pouvais choisir l'heure de ta mort! Ah mon Dieu! Le cancer. Et le gagnant dans la catégorie du meilleur moment dramatique est... Julien et Renaud appellent le cancer de Thierry dans le Tout va bien. Merci. Merci. Merci Alfred. Alfred au maracas. Bon ben pour le prochain prix, ça va être à ton tour, Vincent. Oui, oui. Donc... Les marais! Donnez-moi votre trophée, là, toi! Je préfère mourir, moi, que de laisser quelqu'un qui a pas gagné prendre le trophée. Donne-moi le trophée. Non, jamais je laisserai quelqu'un qui l'a pas gagné prendre le trophée. Y'en a pas question. Ah oui, tu n'auras jamais le trophée. Donnez-moi le trophée, sinon j'y explose la tête. Pensez à votre mère qui va devoir tout ramasser ça à terre. Donnez-lui pas le trophée. Je me fais mourir. Eh les gars, si on veut, là. Il y a une chose qui est certaine, on peut pas le laisser cochonner sous sol. Notre mère va être en beau, je vais le faire. Les gars, je pense que je commence à sentir une crise d'angoisse qui monte. Récent, fais comme moi. Respire. Hey! Je vais tirer, là. Minute papillon, là, Vincent fait une crise d'angoisse. Veux-tu bien? J'aurais dû rester chez nous à classer ma collection de thèmes. C'est trop. Je pense qu'il faut faire une contre-offre. T'as raison. Monsieur le voleur, on vous offre le contenu de cette valise en échange de la vie sauve de notre ami Thierry. Thierry, es-tu correct? Pourquoi vous n'y avez pas donné le trophée? C'est ça qu'il voulait. Je pense que ça... The show must go on. On va continuer. On va faire avec. Pourquoi il avait pas donné le trophée? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Allez, j'ai le trophée. Un Yeti, là. Continue, le gala, le grand gala génial des frères Havard. Oui, le premier gala des frères Havard. Les gars, comment vous faites pour continuer là? Faut appeler la police! Thierry, il fait tirer dessus, on s'est fait voler au moins 40$! Non, je peux pas continuer là, faut faire de quoi là? Bon, Vincent là, tu vas reprendre sur toi. OK? C'est pas la première fois ni la dernière que Thierry se fait tirer dessus par quelqu'un. S'il fallait qu'on aille à l'urgence à chaque fois que ça arrivait, on serait tout le temps rendu là. Puis pour l'argent, c'est rien que 45 000$. Renaud, il va aller au casino, il va se refaire en moins de deux. Fait que là, tu vas te lever, OK?
Tu vas venir ici, tu vas présenter, puis tu vas faire la meilleure présentation de ta vie. C'est-tu clair? C'est plus puissant que tout ce que tu connais. Ah! Joey! Ah! Tu quoi? Martel! Non! Ah ouais! Encore une violence. On peut se dire que c'est un match physique. Et le gagnant du prix de la meilleure bataille revient à... la bataille entre les Russes et les frères Avant dans le... Avokino! La peau! Et maintenant, dans la catégorie de la meilleure présentation dans le grand gala génial des frères Avard, les nominés sont... Sans plus attendre, on commence tout de suite avec notre première catégorie, meilleur sous-titre. Présenter le prix du meilleur acteur dans un film des frères Avard. J'imagine que je dois présenter les films en meilleure langue étrangère. Et le grand gagnant dans la catégorie de la meilleure présentation du grand gala génial des frères Avard. Ah ben j'ai mon voyage. Vincent Pocket dans la meilleure présentation de. Oh yeah! Oh! Ben merci, hein! Au printemps dernier, les frères Avard ont dû se départir de leur Focus rouge. Et puis, ça tombait sur le sens d'inviter l'homme crotte, qui est le nouveau propriétaire de la Focus rouge. Oh, on accueille chaleureusement l'homme crotte! Des bananes! Ah ben, coudonc, hein. Je suis content que ce soit moi qui prenne ce prix-là. J'ai appris à conduire avec la Focus rouge et puis c'est un honneur d'accepter le prix en son nom. Pour la prochaine catégorie, on va aller rejoindre Renaud qui est à Laval. Renaud, qu'est-ce que tu fais à Laval? Alors oui Thierry, je suis présentement à Laval devant le viaduc de la Concorde parce qu'il faut se rappeler que tel un viaduc et ses piliers qui soutiennent la route, un acteur de soutien, parce que c'est ça la catégorie qu'on présente, un acteur de soutien soutient tel les piliers, la route, l'histoire, la route de l'histoire d'un film. Alors, merci Renaud pour cette belle métaphore, t'es toujours aussi poétique. Alors, les nominés sont... C'est ce que j'ai trouvé sur eBay. Non, quoi? Mais check! Des jeunes sont en train de se baigner. On va entendre parler. On bat de ta mère, on va faire un petit loup. On va voir ça. Situation grave. Monsieur! Journée de Jeff. T'es tellement beau quand tu souris. Canada! On est sur la ville! Je convoque donc! Si on piège, vous n'êtes pas censé avoir de sexe avant de... Marc est bouddhiste. Vous quoi? Pas de maudit bon sens. Ça n'a pas d'allure de se faire insulter. Et le gagnant du meilleur rôle de soutien dans un film des frères Avard... Ah oh ben... Bernard Avard dans le rôle du vieux outré!
Eh bien, je suis particulièrement émue d'accepter ce beau trophée pour le rôle d'un vieux bonhomme un peu grincheux. Et ça prouve qu'il est un bon acteur puisqu'il n'était pas grincheux du tout. Alors, pépère, Bernard, voici ton trophée et je l'exposerai fièrement. Qu'on fait, là? Ben, attends, Vincent, là. Renaud s'en revient de Laval. Ah, oui. Bon, ben, à cette heure que Renaud est revenu, ça nous donne l'occasion de présenter le prix du meilleur acteur dans un film des Frères Allard. Alors, Les nominés sont... Gaston! Gaston! Penses-tu que ton père serait devenu directeur des équipements, hein? Fab. J'ai froid. Alors, le ou la gagnant-gagnante est. Nadia Desroches pour le rôle de la mère dans Soir de fête! Wow, merci. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment un beau prix. Je pensais jamais gagner ça dans ma vie. Tous affluent, tripping, tous en prennent. It played and it pleased the Lord, but you don't. Rena! Si le jour de ta paix, j'essaye de. Merci, oui, vraiment l'audace de commencer un film avec quelqu'un qui se réveille dans un lit. On l'a jamais vu, puis on l'a fait. C'est les vrais rapports qui l'ont fait. Merci. Eh bien, voilà, c'est maintenant déjà le dernier prix de la soirée. Et ça tombait sous le sens pour finir la soirée en beauté. De profiter de la grande notoriété des Frères Avard et du gala dans lequel on a organisé pour accueillir une jeune réalisatrice pleine de potentiel pour nous parler un petit peu de son œuvre. Donc on va accueillir, on devait accueillir Mimi Tremblay de Oiseau de nuit, mais malheureusement avec son horaire chargé, elle ne peut pas venir. Alors c'est Maryse, sa sœur, qui va venir à sa place. On accueille Maryse, sa sœur. Alors Maryse, directrice et fondatrice de Oiseau de nuit, Vincent, Julien et Thierry vont chacun te poser une question pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur Oiseau de nuit et Mimi. C'est parfait. Ouais, ben c'est ça, je me demandais. Mimi, c'est pas son vrai nom, là, c'est genre un surnom. Elle s'appelle Myriam, Mylène ou Miata? Non, c'est vraiment Mimi. C'est son vrai nom, c'est Mimi, pour vrai, là. Oui, pour vrai. Vraiment? Ça, c'est pas Mylène? Non, ou... c'est vraiment Mimi. Alors, merci, c'est tout le temps que nous avions. Alors, on rappelle à tous nos auditeurs que Mimi, c'est le vrai nom de Mimi. Est-ce que je n'ai même pas parlé d'oiseau de nuit? F. Samson! Dans la ville de Saint-Hyacinthe, présentement. Elle va plus! Dans les nalos, c'est une momoine! Ben non, pas à moi, là. Ben non. Donne ça à ton père, il va le manger. Ben, le gagnant des Frères Avard pour le meilleur film est...
Mignard du froid. Oh! Merci tout le monde à la maison, c'était le grand galet génial des Frères Avoir. Écoute, merci à tout le monde, merci à toi qui aura du temps possible, qui aura vu les Frères Avoir parce que c'est plutôt les jeux. Bye, 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 bon week-end! Ouais! But it's been no bed of roses.